Good morning, alle Iden. Nous sommes le mardi 11 Nissan 5776 et l'étude sera le Lunishmat Rachel Batsara et l'Irfouat Harav Yosef Chaim Ben Emma Simcha Harav Sitruk, à qui on souhaite une refoua Shlema Bekarov Bezat Hashem. Nous étions Babakma Perektet Mishna Chet Heichan Pikdoni Amarlo Nignav Mashbiachani Vamar Amen Vaidim Edim Oto Shegnavo Meshalem Tashlume Kefel. Mishnah courte, mais qui requiert plusieurs introductions pour bien être comprise. La première d'abord, c'est un rappel de la différence entre le ganav et le gazlan. Deux sortes de voleurs. Il y a celui qui vole en cachette la nuit, et celui qui vole franchement en plein jour devant tout le monde, qui a peur de personne. Celui qui vient voler en cachette, alors la Torah a imposé une amende particulière de payer le kefel, de payer le double de l'objet. Une fois qu'on l'attrape, que les témoins viennent et que nous disent on t'a vu voler en cachette, tu t'introduis la nuit, ou le jour, peu importe, mais en tout cas tu t'introduis en cachette et tu es venu et tu as volé, alors on va condamner cette personne à rembourser non seulement le capital et en plus de ça à payer le kefel, le double. Tandis que le gazlan, celui qui vole en plein jour, même s'il se camoufle un peu pour ne pas se faire attraper par la police, mais en tout cas, il a honte de personne, il n'a pas peur que quelqu'un le voie, en tout cas, alors il devra rembourser uniquement le keren. Ça, c'était la première introduction. Deuxième introduction maintenant, c'est un rappel de la Mishnah précédente. À la fin de la Mishnah, on commençait à parler des gardiens et de celui qui est Tohen Ta'anat Avad, et là, on va parler de celui qui est Tohen Ta'anat Gazlan. C'est différentes affirmations que le gardien affirme pour se faire dispenser du remboursement. Mais pour pouvoir comprendre cette halakha, alors il va falloir nous introduire deux points concernant les lois des gardiens. Tout d'abord, un gardien, des lois générales qui seront amplement détaillées dans Baba Metzia, mais qu'on peut déjà introduire, c'est bien, ça aide qu'on ne sera pas étrange à la notion quand on l'étudiera. On en aura déjà parlé déjà plusieurs fois même, je pense. Alors, dans la Torah, il y a essentiellement deux gardiens, le Shomer Chinam et le Shomer Sachar, celui qui est le gardien rémunéré ou le gardien qui n'est pas rémunéré. D'accord ? Selon le cas, alors le gardien devient imposé de plus ou moins surveiller l'objet et soit donc engagé de rembourser au cas où il a eu un incident, selon son degré imposé de surveillance. Par exemple, on va prendre un cas simple, Shomer Chinam Patur Begneva Vaveda. Un gardien gratuit, un ami à qui vous dites « garde-moi mon animal pendant 10 minutes le temps que je vais faire une course », il le garde, alors il sera pas tour Begneva Vaveda. S'il laisse la porte ouverte et que l'animal sort, espère, alors il sera responsable. Pourquoi tu laisses la porte ouverte? Il fallait un minimum de garde. Mais par contre, si tu as fermé la porte et ensuite tu es parti toi-même, dans une pièce annexe et tu n'as pas fait attention qu'il y a un voleur qui s'est introduit et qui a volé l'objet, tu seras dispensé. Tandis que si c'est un chômeur sahar, alors chômeur sahar, il sera chayav begneva. Si c'est un gardien rémunéré, alors un gardien rémunéré, puisque tu reçois de l'argent pour surveiller, tu dois très bien surveiller, tu dois rester à côté de l'animal, veiller à ce qu'il n'y ait pas de gardien qui puisse s'introduire. La notion est très simple. Voilà pour la première notion de gardien à rappeler. Maintenant, deuxième point à l'intérieur lorsque un gardien a fait son devoir, et qu'il affirme, non, j'ai surveillé, j'ai fait ce que je devais faire. Par exemple, donc un Shomer Chinam qui a dit, j'ai fermé la porte, et le voleur, il s'introduit par la fenêtre, et je ne devais pas surveiller qu'il ne puisse pas s'introduire par la fenêtre, ou même en poussant la porte. Alors, pour croire ce gardien, la Torah précise qu'il devra faire ce qu'on appelle une Shvuat HaShomrim. Venir jurer qu'au Beit Din, qu'il a effectivement fait son devoir, qu'il n'a pas négligé sa surveillance, et seulement après, on le croira. D'accord ? C'est clair ? Troisième petite notion annexe dans les lois des gardiens, c'est le principe de Shlichut Yad. Tout ce qu'on a dit qu'un gardien est dispensé selon le cas, s'il a fait son devoir, c'est uniquement lorsque le gardien n'a pas utilisé l'objet qu'il était en train de garder. Par contre, si une fois qu'il avait la porte fermée, qu'il se trouvait seul chez lui, il a utilisé l'objet. C'était peu importe, ça pouvait être un stylo, il s'est mis à écrire un petit peu avec. Ça pouvait être un animal, il l'a utilisé pour porter quelque chose, il est monté dessus pour pouvoir dévisser une ampoule. D'accord ? Ouais. Enfin,
un peu délicat réellement ce cas-là, on va pas rentrer dedans. D'accord. Si donc, selon le cas, il a transgressé l'interdit de Shlichut Yad, puisqu'il a utilisé l'objet. Shlichut Yad, littéralement, ça veut presque rien dire, c'est-à-dire qu'il a envoyé la main. Il a envoyé la main pour utiliser l'objet qu'il n'avait pas le droit d'utiliser. C'est ça la notion. Concrètement, puisqu'il a utilisé sans permission l'objet, il est considéré quelque part comme un petit peu voleur. Et donc, il sera dans tous les cas responsable, même si l'objet a été perdu, même sans faire exprès, même s'il y a eu un missile qui lui est tombé dessus. Puisque tu as utilisé l'objet, alors maintenant il est entré dans ta propriété, tu deviens quelque part avec les mêmes chiyuvim, les mêmes engagements que le shoel, mais on va pas compliquer pour comprendre, on ne va pas compliquer la notion pour la comprendre, on se contente de ça, d'accord? Donc on a introduit trois notions de gardien. Premièrement, selon les conditions avec lesquelles on lui a demandé de surveiller, il sera plus ou moins responsable de bien surveiller ou de moins surveiller l'objet. Deuxièmement, lorsqu'il sera dispensé de rembourser, parce qu'il aura fait son devoir, on ne le croira qu'après l'avoir fait jurer au Bet Din. Troisième notion, c'est la notion de la Shlichut Yad, que c'est s'il a utilisé l'objet avant que l'incident arrive, il sera toujours responsable de le rembourser. Voilà pour les petites notions à introduire et à rappeler. Maintenant, on va arriver dans notre Mishnah qui va parler d'un cas particulier du gardien. On a déjà introduit la notion déjà hier, un petit peu, mais on l'a fait rapidement parce que la Mishnah était déjà assez longue, on s'est plutôt concentré sur la première partie. Alors maintenant, on va faire un petit zoom sur la fin de la Mishnah précédente qui fonctionne en parallèle aussi, en complémentarité avec la Mishnah Chet qu'on étudie aujourd'hui. Lorsqu'un gardien, maintenant c'est un nouveau cas de gardien, qui affirme qu'il a surveillé l'objet, et qu'en réalité l'objet, il était tout simplement chez lui. Au moment où il est en train d'affirmer que l'objet a disparu, qu'il s'est perdu ou qu'il a été volé, il s'avère qu'en réalité il était tout simplement chez lui, ou bien c'est lui-même qu'il avait déjà mangé, l'animal, et qu'il essayait simplement de se défaire proprement de son devoir de rembourser. Alors là, il y a une halakha particulière. Selon le cas, on va considérer ce gardien soit comme un gazlan, soit comme un ganav. D'abord, je vous dis la loi facile, rapidement, quoi. Et puis après, on va la réexpliquer un petit peu mieux. Lorsqu'un gardien affirme que l'objet a été perdu, et qu'il s'avère qu'en réalité l'objet est chez lui, alors il sera considéré uniquement comme un gazlan, il devra rembourser l'objet, uniquement le capital. D'accord? Vous allez me dire pourquoi c'est pas un voleur qui vole en cachette? La réponse elle est simple, il y a une différence fondamentale entre un gardien et un voleur, c'est que qu'un voleur n'avait pas le droit de prendre l'objet, tandis que le gardien, l'objet, quand il est arrivé dans sa propriété, il est arrivé avec permission. Ensuite, c'est pas qu'il a aujourd'hui saisi l'objet pour le voler, il s'est plutôt défait de son devoir de le rendre. Il y a une nuance. Ça s'appelle dans la Gemara « Baleyado Beheter » ou bien « Baleyado Beissour ». Le gazlan « Baleyado Beissour », tandis que le ganav, que le chômer qui se défait de, qui dérobe l'objet qu'il est en train de garder, cet objet-là est « Baleyado Beheter ». Il est venu dans sa main avec permission, avec accord, et puis c'est après qu'il y a eu un problème, qu'il a décidé de le prendre pour lui. Donc il y a une différence fondamentale. Il ne sera gazlan qu'à partir du moment où il a juré au Bet Din. Soit, s'il affirme que l'objet a disparu, et qu'il s'apprête à jurer même, mais que des témoins viennent et nous disent « Vole, menteur, l'objet il est chez toi », alors il devra tout simplement rendre l'objet qui est encore chez lui, parce que l'objet, il était en garde chez lui uniquement. D'accord ? Mais en tout cas, il ne sera pas encore considéré comme un gazlan. Par contre, à partir du moment où il jure, alors là, ça y est, il devient un gazlan, et puis sans suite, il veut faire tchouba, il devra rembourser le cinquième. C'était la fin de la Mishnah qu'on apprenait hier. Il devra rembourser le cinquième, et puis même aussi apporter un korban à chaque zélote, comme ce qu'on apprenait. Notre Mishnah, maintenant, aujourd'hui, va nous apprendre un cas particulier. Lorsque ce gardien cherche à dérobe l'objet en mentant, en racontant qu'il n'a pas uniquement été perdu, mais qu'il y a eu un voleur qui est venu. Il y a eu un voleur qui est venu, qui s'est introduit en cachette, qui lui a volé l'objet. Et alors là, lorsque ce gardien va jurer, il va s'avérer qu'il va avoir une halakha très originale. Il va lui-même devenir quelque part le fameux voleur en cachette, en jurant. Puisque quand tu as juré,
tu as dit qu'il y a eu un voleur en cachette qui est venu le voler, et il s'avère qu'en fait l'objet il était chez toi, c'est toi tout simplement qui l'avais déjà mangé. Ouais. Alors dans ce cas-là, hein, le voleur en question que tu as dit qui est venu en cachette, c'est toi. C'est une manière, on veut lui retourner un petit peu la flèche contre lui, on veut lui dire ah, il y a eu un voleur, c'est toi le voleur, alors tu payeras le kefel. C'est une halakha, ouais, xerata katouv. Ça n'a aucun rapport avec les lois de Ganav et Xéla qu'on a appris jusqu'à maintenant, parce que là on est en train de parler d'un gardien. Mais malgré tout, le gardien, lorsqu'il se défait de son devoir de rembourser en affirmant qu'il y a eu un voleur et en jurant, alors désormais il sera lui-même Khayaf Bekefel, il devra lui-même rembourser le double, d'accord ? Et lorsqu'il remboursera au propriétaire. Lorsqu'il remboursera le double, alors il ne payera plus le cinquième. D'accord, il n'aura plus le devoir de rembourser son cinquième, mais il devra quand même apporter un Sham Gzelot le jour où il fera Tshuva. Cas maintenant encore plus poussé, maintenant, c'est encore un sous-titre dans le même sujet, c'est lorsque il jure que l'objet a été volé, et qu'avant que les témoins ne viennent, lui-même de son plein gré va au Beit Din et dit « Je veux faire Tshuva, j'ai menti ». J'ai juré à tort qu'il y a eu un voleur. Alors là, il ne payera plus le kefel, mais il payera plutôt le cinquième, de nouveau, comme tous les cas. Et puis maintenant, on est capable de faire la Mishnah dans les mots et de la comprendre. Echan pikdoni, où se trouve mon objet mis en garde, en surveillance, en gage, à Marlo, Nignav. Oh, il y a eu un voleur qui est venu en cachette le voler. Ah ouais. Mashbiachani. Vous avez compris que c'est un dialogue. On passe de narrateur à chaque fois. Mashbiacha ani, jure-moi. Va'ama, amen. Je jure. On a commandé après hier, répondre amen. Lorsque je dis jure-moi, tu dis amen. Amen, zo shuvoa. On apprend ça de la Torah. Va'amra isha, amen, amen, dans la parasha de la Sotah. Ve'aidim me'idin oto shegnavo. Après, des témoins viennent et nous disent, quoi? Tu oses dire qu'il y a eu un voleur qui est venu? Mais c'est toi-même qui l'a gardé chez toi. Mais Shalem Tashlome Kefel, il devra désormais ce gardien payer le Kefel, payer le double. Par contre, Hoda Me'atzmo, s'il a reconnu de lui-même son tort, après avoir menti, quelques jours après, il a des remords, il vient, il fait Tshuva. Alors dans ce cas-là, Meshalem Keren Vechomesh Ve'asham, il devra payer le capital, le cinquième, et aussi apporter son korban Asham. Pour rappel, comme je vous l'ai rajouté, même dans le premier cas de la Mishnah où il paye le kefel, il devra aussi payer, apporter un korban hacham lorsqu'il fera tshuva. Mais bon. Voilà pour la Mishnah. Une précision quand même un peu importante, puisque déjà on a évoqué le cas, par rapport à la shlichut yad. Auparavant, je répète encore une fois, la halakha qu'on a appris aujourd'hui, une halakha très importante, c'est qu'un gardien qui affirme que l'objet a été volé et jure... il sera désormais considéré lui-même comme un voleur, mais à condition qu'il n'ait pas utilisé l'objet avant l'heure du vol, avant l'heure de l'affirmation, avant l'heure du serment que l'objet a été volé. Je m'explique. Supposons par exemple qu'il a mis en surveillance, en gage, l'objet, l'animal, dimanche. Dimanche, lundi, mardi sont passés, et mercredi, alors là l'histoire éclate, le gardien dit qu'un voleur est venu et on le fait jurer. Des témoins viennent ensuite jeudi et nous disent « Comment tu oses raconter que l'objet, que l'animal a été volé ? Il est en ce moment dans tes mains. Ou bien on t'a vu ce matin manger des bonnes grillades. Tu as mangé cet animal-là. » Alors là, comme ce qu'on a dit, il devra payer le kefel. Il devra payer, rembourser à la fois le capital et en plus de ça, payer l'amende, de payer le double de l'animal. Mais si on réalise aussi que entre dimanche et mercredi, donc par exemple lundi ou mardi, le gardien s'était déjà permis d'utiliser l'objet sans la permission du propriétaire. Ce gardien sera désormais considéré comme un voleur, mais un voleur, pas un ganave, l'autre voleur. Il sera considéré comme un voleur déjà depuis cet instant-là. Et alors là, la ta'anat ganave, le fait d'affirmer qu'il y a eu un voleur en cachette qui est rentré n'a plus aucune valeur, ne le condamnera plus de payer le kefel. D'accord ? On va pas trop allonger, trop alourdir sur la Mishnah, c'est un peu dommage. On fait rapidement maintenant le Bartenora. Tashlume kefel. Donc on se rapporte sur le cas où il a affirmé qu'il y a eu un voleur qui est venu et qu'on réalise en fait qu'il a menti.
alors il devra payer le kefel. Par contre, Veim Hoda Me'atzmo, le partenaire explique en fait la suite de la Mishnah, Veim Hoda Me'atzmo, par contre, s'il reconnaît de lui-même, de son plein gré, énorme Shalem Kefel, il ne payera plus l'amende de payer le double. Pourquoi ? Dirtiv Asher Yarshihun Elohim. Il est marqué dans la Paracha, dans Mishpatim, qui raconte la balle à la chôte de celui qui vole en cachette, qui devra payer le Kefel, payer le double. Alors il y a marqué là-bas le pasuk insiste Asher Yarshihun Elohim Yeshalem Shnayum Lere'u. Elohim, c'est pas le Shem Hashem. Elohim, c'est des juges. D'accord ? Lorsque les juges le condamneront, il devra payer le Kefel. Pourquoi cette insistance ? Pour nous apprendre Prat le Marchi et Tatsmo. Tu ne payes l'amende uniquement lorsque les juges ont reçu leur connaissance, leur témoignage par des personnes externes, et qu'ensuite ils t'ont prononcé la sentence de payer le double. Par contre, si c'est Marchia et Tatsmo, c'est toi-même qui viens et qui nous raconte que tu as transgressé la transgression, donc l'interdit de voler en cachette, alors là tu ne payeras plus le Kefel, et de ce fait, la Mishnah nous enseigne qu'il devra donc rembourser le Chomesh comme tout celui qui jure à tort, comme tout gardien qui jure à tort, et ensuite apporter ensuite le Korban Xela. Et c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain. Kol Tov, Selah.